Bonjour, je vais vous montrer le cerveau de Toulouse. Attendez, je vais m'équiper, j'ai oublié. Voilà. Bon, le cerveau de Toulouse, c'est obligé de. Comme le dévoreur de monde, c'est obligé de le faire dans le monde de Cuisson. Alors, je vais vous montrer maintenant. Voilà. Il faut le taper les yeux. Le cerveau, on peut pas le taper, ça traverse. Vous pouvez sortir du monde si vous avez envie. Même le matin, vous pouvez l'activer, comme la reine abeille et le dévoreur de monde. Quand vous les avez cassé tous les yeux, il fera ça. Là, je vais avaler mes gobelins. Non. Bon, voilà. J'ai eu le trophée du cerveau de Toulouse. Bon, là, il y a eu l'armée gobelin qui est venue déjà m'embêter. Je vais voir si je peux jeter quelque chose pour le prendre. Là. C'était pas prévu, ça. Bon, plus qu'elles sont là, je vais vous montrer encore une deuxième fois. Si vous le reconnaissez, le monde de Cuisson, c'est comme le monde du dévoreur de monde, sauf que c'est tout rouge et bizarre. Il y a même des monstres supplémentaires. Ah, j'ai oublié pour faire l'épine ensanglantée, il faut 15 vertébrales que vous trouverez dans tous les monstres de ce monde. Et si vous avez pas envie de la faire,
vous faites comme des World Monde, vous cassez trois blocs, vous cassez trois globes. Vous verrez, c'est comme un cœur. Sauf que ça brille. Pour le casser, il faut la masse. La masse, vous pouvez le faire à peine au début. Bon, voilà. Enfin, je sais pas, là, il y en a encore. Ah non. Bon. C'est une maudite armée gobelin, j'ai réussi encore à les chasser. Bon, je vous ai montré le cerveau de Toulouse. La prochaine vidéo sera l'œil de Toulouse. À la prochaine!